Coucou les copains. Tu pouvais continuer à parler avec moi, tu sais, moi j'aime beaucoup parler avec toi. D'accord. Alors cette fois c'est Étagère qui joue parce que j'en avais plein le cul. Voilà. Je préfère vous le dire, moi ça m'a fait chier. Moi les Game Over c'est pas ma tasse de thé. Moi c'est quelque chose que j'aime genre Pas du tout. Alors qu'Étagère lui c'est vraiment son délire, il aime beaucoup perdre et mourir, c'est vraiment ce qu'il adore. Là en l'occurrence il risque aussi de mourir. Alors ce que c'est... Mais non. Mais c'est quoi ce... T'as fini d'accélérer aussi là. Mais c'est pas accéléré, c'est là par rapport à la manette, ça fait chier là. Et t'as, voilà. T'as qu'à prendre ton temps. Il s'endort, il se bat plus, Clémence, voilà. Alors. Eh ben dis donc, Étagère, on a du mal. Ouais, mais pas autant que toi. Ouais, mais moi j'ai jamais joué au jeu. Bah si, un peu quand même. Un tout petit peu. Oula, oh putain, un peu. Croix pro ultime, on va le mystifier parce qu'il est bien chiant. Il est bien chiant. Oh, ça fait mal! Ouais, c'est vrai. Pourquoi il y a tous ces monstres qui apparaissent comme ça à Étagère? Parce que on est dans la fin du jeu, donc ça doit être dur. Et replace, on va prier. Pourquoi est-ce que ça doit forcément être dur? Les fins de jeu? Ouais. Je sais pas. Très sincèrement. C'est extrêmement frustrant, les pics de difficulté. Quand la courbe de difficulté est progressive, ça va. Quand le jeu est foncièrement plus difficile à la fin qu'au début, mais que la courbe de difficulté était bien gérée, ça va. Mais là... Il y a quand même eu un mur vers Meufet. Oui, juste même Meufet, hein, c'était un mur. Pourquoi faire des murs? Ça sert à quoi? C'est juste un coup à se barrer? C'est vrai. Ça servit à quoi que tu fasses ça? De quoi? Je crois qu'il va falloir que tu ailles racheter de la malbouffe. Je vais aller racheter de la malbouffe. mais c'est pas grave parce qu'on a fait cette pièce-là. Ça sert à désactiver un laser qui est en bas. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça. Tu vas peut-être pouvoir sauvegarder aussi. Voilà, on peut sauvegarder. Tu sauvegardes deux fois. Toujours deux fois. Dans les RPG, toujours tu sauvegardes deux fois. C'est comme un... Tu vas aller chercher la malbouffe? Ouais. Ouais, parce qu'on est un peu... Dans la merde. Un peu nul aussi, faut le dire. Téléphone. Parce qu'on pouvait faire ça, en fait. Ah. Alors... Bah récupère le rack donut, au moins. Oui, mais... non mais c'est bon faire. Bandana viril, on va le poser, le tablier tâche, on va le poser, et voilà. Ah, mais pourquoi? On aurait tellement pu aller vite. On aurait tellement pu passer Meufet, en fait. Bon, on va dire que c'était pour le beau jeu. On va dire que c'était pour le beau jeu. C'était pour le beau jeu. On dit que c'est pour ça. Et du coup, on espère chez vous que vous allez bien. Oui. Là, on arrive au bout d'Undertale, hein, et très clairement, il nous reste pas grand chose à faire dans le jeu. Là, je fais du backtracking parce que voilà, c'est nécessaire, on doit aller acheter de la malbouffe. Est-ce que vous allez bien? J'espère, en tout cas, moi ça. Alors, j'aimerais te dire quelque chose, Étagère. Je t'écoute. Je me caresse moins les tétons. Tu fais bien. Aujourd'hui. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on est arrivé à un moment où il se trouve que je me caressais quand même assez régulièrement le bout des tétons. Au point où ça te mettait dans une position relativement gênante. Bah, parce oui. qu'il ne peut pas le faire. Étagère a une maladie congénitale qui l'empêche de se caresser les tétons. Il a trois tétons. Et vu qu'il n'a pas trois mains... Il ne peut pas. Il ne peut juste comment... pas. Voilà. Comment pourrais-je? Comment pourrait-il? Comment pourrait-il? Donc bon, à un moment donné, il me l'a dit, bon, Ico, tu me mets mal à l'aise. Je l'ai compris tout de suite. Moi, j'aimerais beaucoup le faire, mais je ne peux pas. Donc je lui dis, très bien, je comprends, je vais faire un effort et arrêter... Pardon, Étagère. Mais voilà, tu fais aucun effort. Je fais le malin, mais un jour je vais prendre le train, c'est tout. Tu t'es trompé? Oui. Tu fais du backtracking, mais finalement t'as rien retenu du tout. Mais si. Pas du tout. Mais si. Pas du tout. Mais si. Bon. Sinon. Oui. Toi dans la vie, ça va? Bah ça va. Ça s'aménage ton appartement? Difficilement, mais ça va. Difficilement. C'est est-ce que tu mets des meubles? Est-ce que tu achètes des étagères? Oh! Ça te dirait qu'on aille à Ikea? Grave. Très sincèrement. On irait manger des muffins au chocolat. Ah, framboise aussi, il veut aller à Ikea. On va fuir les combats, hein. Je me casse d'ici. On va se casser, on n'a pas besoin d'argent. Donc... Ah, t'es comme ça, t'es plus dans le voilà. besoin. Voilà. Ouais, pourtant, moi, je suis dans le besoin, tu sais. Détermination. Moi, l'argent, tu sais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que tu es prêt? Oh, oh oui. Oui, te voilà, trésor! Vas-y, je te laisse doubler le personnage. Ouais, je veux doubler mes tatones! C'est l'heure de notre petite confrontation! C'est enfin l'heure de stopper le robot défectueux! Ou pas?
Défaillance, reprogrammation, laisse-moi rire. Tout ceci n'était qu'un énorme spectacle. Une mise en scène. Alphys s'est jouée de toi pendant tout ce temps. Tandis qu'elle t'observait derrière son écran, elle s'était prise de tes aventures. Elle voulait désespérément en faire partie. Alors, elle a décidé de s'introduire dans ton histoire. Elle a réactivé les énigmes, désactivé les ascenseurs et m'a demandé de te pourchasser. Tout ça pour qu'elle puisse te sauver de dangers qui n'existent pas. Ouh la salope. Pour que tu penses qu'elle est formidable. Ce qu'elle n'est pas. Et maintenant, son heure de gloire est venue. À cet instant précis, Alphys attend en dehors de cette salle. Pendant notre combat, elle s'interposera. Elle fera mine de me désactiver, te sauvant ainsi une dernière fois. Enfin, elle sera l'héroïne de ton aventure. Tu l'admireras tellement qu'elle pourrait même te convaincre de rester ici. Ou pas. Vois-tu, j'en ai assez de cette comédie prévisible. Je n'ai aucune intention de faire du mal aux humains. Loin de là, en réalité. Mon seul désir est de divertir. Après tout, le public mérite un bon spectacle, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'un bon spectacle sans un retournement de situation? Hé! Hey, qu'est-ce qui se passe? La porte vient juste de se verrouiller elle-même! Désolé les amis, votre programme habituel vient d'être annulé. Mais ce final que l'on vous a réservé va bientôt décoller à la rétine. Drame authentique, action authentique, carnage authentique. Voici notre nouveau spectacle, l'attaque du robot tueur. Cette musique, on est tout flou. Brûlé, c'est ce qui risque de vous arriver si la situation ne fait qu'empirer. Oui, c'est bien moi qui ai déménagé le noyau, mais qui a engagé pour ces gens pour te tuer. Mais tout ça, c'est décidé sous le coup de l'impulsion. Vois-tu, il serait mille fois plus intéressant de te tuer de mes propres mains. Ce stupide lance-pois chiche ne marchera pas sur moi, mon chou. Mais sais-tu seulement ce que cela signifie? De jouer à la comédie. Écoute mon chou, j'ai pu te voir, tu es faible. Si tu suis cette route, Asgore va t'arracher la vie. Et avec elle, Asgore détruira l'humanité. Ah mais là, c'est vraiment... Un shmup. Mais si c'est moi qui prends ton âme, son plan échouera. Je sauverai alors l'humanité de l'anéantissement. Eh, hey, c'est un gars comme ça, Métatone. Il est vachement sympa. Alors, lui, Métatone, lui, je l'aime bien. Métatone, il est cool. J'aime beaucoup Métatone. Ensuite, je franchirai la barrière grâce à ton âme, et je deviendrai alors la star que j'ai toujours rêvé d'être. Des centaines de milliers, non des millions d'humains suivront mon show. C'est une bombe. C'est une bombe. On va le tirer dessus. C'est ça? C'est ça. C'est ce qui risque d'arriver si la situation ne fait qu'empirer. Le strass, les paillettes, j'aurai tout, qu'importe si des gens doivent mourir. C'est ça le showbiz, baby. Je vois rien ce qui se passe là-dedans, mais... Et confiance, ok? Il y a un autre moyen de vaincre Métatone, c'est encore un prototype, alors fais preuve d'indulgence. T'as remarqué qu'il y a un interrupteur derrière? C'est parce qu'il y a un interrupteur dans son dos. Alors, si tu sais, alors si t'arrives à lui faire tourner le dos, et appuyer sur ce bouton, bah, il deviendra vulnérable. Bon, bah, je te laisse. Bisous. Il vous dit, t'avais tout à fait, il y a un miroir derrière lui. Oh, oh miroir, dis-tu? Oui, tu as raison. Je me dois de faire bonne impression pour notre grand final. Je ne vois rien. Où est-il? Tu viens d'appuyer sur mon bouton. C'est « You just flipped my switch » en anglais. Et du coup, c'est un double sens. Ah. Ça veut dire tu m'excites. Oui. Oh, oui. Oh, ciel. Tu as appuyé sur ce bouton. Ça ne peut signifier qu'une chose. Tu meurs d'envie de voir mon nouveau corps en avant-première. Quelle toupée. Une chance pour toi, je mourrais d'envie de le montrer. Alors, pour te remercier, je veux bien te faire une fleur. Je vais rendre tes derniers instants. Fabuleux! Absolument fabuleux! Moi, je m'en fous, je fais des pauses. Prenez une pause, le public approuve. Lumière, caméra, action! Merde. Non, j'étais complètement con. Métatone! Vas-y. Posez. Prenez une pause dramatique. Public approuve. Drame, glamour, bain de sang. Là, il me semble que ouais, je dois bouger comme ça.
Posez. Eh mais c'est un personnage de Jojo. Oui, un peu. Waouh, violence plus 20. Ah bah toujours, hein. Les gens adorent ça. Moi aussi. Fais un sourire à la caméra, ma gueule. D'accord. Ah mais c'est des mini métatones qui tombent. Faites de passe et règne public. Oh, c'est l'heure de l'interro surprise. J'espère que t'as un clavier sous la main. C'est parti pour un quiz écrit. Qu'est-ce qui aime... Cheveux. Non, jambes. Jambes. Jambes, yes. Ouais. Splendide, parfois quelques mots sur... Parce que je crois que c'est legs que tu veux écrire en anglais et ça fait quelque chose. Crâné, vous prétendez pouvoir éviter toutes les attaques. Ah ! Son cœur ! Non ! Fais attention ! Prétendez pouvoir éviter toutes les attaques. On ne fait que m'échauffer, ma gueule. Ah, oh, mais nique ta mère! Décevant, moins 100. Merde, ça me rappelle tes moins 1 sur Yelp. Comment tu t'en sors sur le dance floor? Faut bouger dans ce bleu. Ouais, rester immobile sur le bleu. Ah, c'est malin! C'est très malin. Alors, tu suis le rythme? Prenez une pause, c'est dramatique. Caméra, action, bombe. Wow. C'est ça que ça fait les bombes. Bah oui, c'est ça que ça fait. Posez. Dramatique. Faisons péter le... Voilà. On va pas prendre de risques. C'est l'heure de la pause syndicale. C'est une phase de pause. Dans les boss, c'est important. Et c'est pas la pub, du coup. Si, c'est la pub. Nous sommes devenus si distants, trésor. Que dirais-tu d'un autre cœur à cœur? Le pauvre cœur. Attention à son cœur. Voilà. Oh, tu lui as fait... Ses bras viennent de non, sauter. Non, ses bras. On y vient. Des bras, qui a besoin de bras avec des jambes pareilles? C'est toujours moi qui... Non. Oula. Oula, t'as pris cher. Oui, bah un peu. Violence plus 10, malbouffe. Voilà, allez. Pourquoi tu tires pas sur les carrés? Les carrés, ils explosent pas? Les carrés, ça leur fait rien quand tu tires dessus. Le spectacle doit continuer. Oui. Aussi, les carrés, ils meurent. Ces carrés-là, oui, mais il y a des carrés invincibles aussi. Oui, mais ils étaient ronds, les carrés, tout à l'heure. Drame, action. Lumière, caméra, ça suffit, tu tiens vraiment à voir l'humanité périr? Ou bien crois-tu pouvoir tout surmonter toi-même? Oui! Tout moi-même! Tu vois, ils sont invincibles, les autres, ils n'étaient pas. J'espère... C'est pas évident. Train. C'est bien, trésor, enfin entre toi et moi. Même si, entre nous, je crois qu'on sait déjà qui nous devait gagner. À dire le véritable pouvoir de l'humanité. Wow, c'est ses jambes. Putain, il a des jambes si magnifiques. Utsukushi. Voilà. Non. Posez. Ainsi, ce sera toi, la star. Peux-tu seulement protéger l'humanité, ma gueule? Non. Moi, ça c'est vraiment la dernière phase du combat et je t'assure que mourir là-dessus, ça m'est déjà arrivé et c'est frustrant. C'est vrai? Ouais. Tu m'étonnes. Parce que le combat même sans ça, il est pas évident quoi. Tu devrais pas te soigner du coup. Allez, Malbouffe moins 50. C'est pas grave ça. Et il est vénère là. C'est pas grave, ces attaques-là, on les esquive facilement. Allez!
J'ai si peur, étagère. Viens, on attend les 15 minutes d'épisode. C'est pas grave, continue. Il est trop bien. Tu vois, ceux-là, tu peux les casser. Mais cet épisode de l'enfer, ah. Là, tu les casses pas. Oh, oui, regardez-moi cet Audimat. Jamais autant de spectateurs. Je crois qu'on va pouvoir lancer le bonus appel. Une personne va avoir la chance de me parler en live avant que je ne quitte l'autre monde pour de bon, et c'est une fin d'épisode.